Okay, so now let us have a look at example 4. Alors, exemple 4 being the toughest example, supposément toughest. But as you will see when I will complete it for you, it's definitely not going to be the toughest one. It's definitely an easy example. Hein? Toujours il reste quelque chose. Tant que vous pouvez comprendre le tout, il n'y a rien qui est difficile. Parce que understanding is key. Don't learn things mechanically. Understand things how it goes on and it will never be difficult in terms of mathematical. Et pas de ce mot comment ici, là, je vous trouvez après exemple 3. Il y a un autre qui monte dans autre en rouge. Je vous trouvez qu'il y a un autre qui monte dans autre en rouge. Je vous explique ce code ça, nous vous avez une autre là. Mais premièrement, note là, c'est pour exemple 4. Ça, hein? Ça note là. Alors, ce monde nous dit avant exemple 4, ça veut dire c'est pour exemple 4 qui nous servit ça note là. Allez, l'indien nous comme exemple 4 dedans, we have a straight line qui peut passer par sa bande point là. Alors, ce bande point là, c'est point A capital. C'est 5 retiré P. Et ensuite, P plus 2. Then you also have a point B capital qui est 2, négatif 3. Comme partie A, l'indien nous comme ça, find the gradient of the line in terms of P. Let us have a look at this one. Find the gradient of the line in terms of P. Premièrement là, how do you find gradient? Vous êtes capable de calculer gradient, premier step c'est quoi? Label your first coordinate comme x1, y1. Label second coordinate as x2. Label second coordinate as x2, y2. Allez, let us have a look, vous autres. Let us have a look how it goes on like this. Alors, first step, first step, c'est labeling of coordinates, which is over here. Allez, deuxième step, c'est quoi? Deuxième step, c'est nous servir une formule de gradient. Alors, gradient en mathématiques, il est représenté par M. Alors, comme formule, c'est y2 minus y1 upon x2 minus x1. Allez, dis-moi tout de même. Y2 minus y1, be careful over here, parce que vos bandes coordonnées pour A, alors, c'est pas simplement en termes de valeur, mais il y a P dedans. Ça veut dire en d'autres mots que bandes X and Y coordinates of the point A. The fact that they are algebraic, make sure qu'ils vraiment nous mettent dans le bracket, sinon nous gagnons sens poté là-dedans là, hein. Get par exemple. Allez, y2 minus y1. Y2 c'est combien? C'est négatif 3. Minus y1 c'est combien? C'est p plus 2. Mais est-ce que les bons points vont mettre là? Définitivement non, les pas bon, parce que les bizarres minus y1. Qui ça a les p minus ça? Les p minus que p là? Les divisés minus y1, y1 c'est pi plus 2, ça veut dire qu'on va mettre retiré. Mon bizarre mettre retiré, alors qui s'en a les bizarres retirés? Les bizarres retirent p plus 2, alors make sure qu'il p plus 2, les dans le bracket. Allez, fais comme on dit, mon demande un dimoun. Allez, d'après où? Ça retiré là, là. Qui s'en a les p retirés? Mais il y a pas de dimoun pour dire moi comme ça, hein. Mais les p retirent p plus 2 parce que p plus 2, les dans le bracket. Mais par contre, si moi pas mettre dans le bracket. Allez, dis-moi tout de même. Je prends les mots qui disent, mon dieu. Allez, dis-moi un coup d'après où ça a retiré là, ça n'a pas retiré. Mais il y a un P. Parce qu'effectivement, là, il peut retirer que P là. Je peux saisir les. Alors, je vais dire, vous savez, qui fait opérer dans ce état là, c'est parce que si mon P dans sa braquette là, ici, veut dire que ça a retiré là, il est pour retirer que P. Et non pas, il est pour retirer P plus 2. Si P dans la braquette, mon pas pour casse braquette, alors, définitivement, il est pour venir une faute. Parce que moins, li pas pour fois plus, si p dans bracket, code moins pour fois plus. Plus 2 pour s plus 2, mais là comme au cas bracket, moins pour fois plus 2, ni pour venir moins 2. Juste à cause à moins 2, là, vous risquez, p, si tu veux, ben, moi pas, vous risquez, si vous n'êtes pas cas bracket, vous n'êtes pas pour gagner pour indéfinitivement parce que vous êtes answer, les boutons mal. Alors, juste un simple petit bracket ici, it can cause you to lose all the marks. So please be careful on this one. Whenever you have algebraic coordinates, algebraic expressions, make sure that they are within brackets over here. Alors, y2 c'est moins 3, retiré, bien retiré. Y1 c'est p plus 2 par ici. Très bien, et nous p plus 2 les bizarres dans le bracket. Allez, x2 minus x1, x2 c'est combien? C'est 2.
retiré x1, c'est combien? C'est 5 retiré p. Voilà, toujours dans un bracket. Allez, casse bracket par ici, qui est venu? Livine moins 3. Allez, moins fois p. Moins p. Moins fois positif 2. Négatif 2. Ici, livine 2. Moins fois 5. Moins 5. Moins fois moins p. Plus p. Alors, cela vous donne. Allez, moins 3, moins 2. C'est moins 5. Ici, nous reste nous moins p. Ici, 2 moins 5. Négatif 3. Et ça, c'est mot positif. Et ça, c'est mot positif p. Comment si je les autres capables de gagner comme ça même, il n'y a pas de problème. Écoute bien. Comment si je les autres capables de gagner comme ça même. Mais tout le temps que je vais vous montrer, quand dans une expression qui lit entière une division, quelque comment là, it's a fraction over here, it's an algebraic fraction. Whenever you have an answer like this, il n'y a pas pareil vraiment joli qui comme quoi, nous quitte avec trois négatifs, mais avec un seul positif. Quand est-ce qu'il y a quelque chose, alors aussi paraît plus joli. Quand comme quoi, il n'a plus beaucoup positif que négatif, get là. Tout ça va négatif là. Get bien là, hein. It's just about beautifying the expression, but also making it simpler, allows to be used in other parts. It's not just about beautifying the expression là. Je quitte les consorts sur un full box. Je quitte les consorts sur un full box, définitivement. Mais, tout le temps remarquez qu'on a plus beaucoup négatif que positif. What I want you to do, I want you to eliminate this. Comment vous êtes capable de faire ça? Please follow the instructions well. C'est bien bien simple. You are going to change the signs for the top and bottom part. Mon redialy, tout le temps qu'on se trouvait et n'a plus beaucoup négatif, get bien, et n'a trois négatifs contre un positif, you change signs for top and bottom. Let us change sign for top and bottom. Qu'est-ce que vous n'avez pour faire? Quand il n'a plus beaucoup négatif que positif, how do you change sign for top and bottom? Moins 5, je vous fais living plus 5. Moins p, je vous fais living plus p. Moins 3, je vous fais living plus 3. Et plus p, vous venez moins p. Voilà. This is what I was talking about over here. C'est tout. Get bien. Get san la la avec get san la la. Définitivement ça. Alors, un n'est plus joli, oui. Mais deuxième n'est plus facile pour nous travailler avec ça. Qui me travaille avec ça normalement? Deuxième et troisième partie. Je vais bien saisir par ici là. Un gros petit clear. Alors, get bien par ici là. So, this is the gradient in terms of p. Comment vous avez trouvé n'a plus beaucoup négatif que positif dans une algebraic fraction? Just change the signs for the top and the bottom. You will end up with 5 plus p upon 3 minus p over here. Alors, voilà. So, this is the answer for the gradient. Alors, comme partie A. Maintenant, comme partie B, get qui peut dire nous comme partie B? Comme partie B, il dit nous comme ça. Given the line is horizontal. Allez. Given the line is horizontal, you need to find the value of P in each case. Allez. Let us discuss for this one. Il dit nous comme ça que la ligne est horizontale. Allez, mais qui se dit à prendre ça, c'est mon gradient, ça. En termes de P, ça, c'est mon gradient. Maintenant, nous avons comme ça que la ligne là est horizontale. Qui se dit d'apprendre vous autres? Quand la ligne est horizontale, qui se connaît? Que ce gradient est bizarre tombe, ce gradient est bizarre tombe 0. Alors, have a look at it, me mettez comme first method. So, as first method over here, since the line is horizontal, since the line is horizontal, So it implies that its gradient should be, ça veut dire que its gradient, pas should be, mais its gradient is equal to zero. Comment elle, la ligne qui tombe horizontale, définitivement ce gradient bizarre égal à zéro. Allez, let us have a look at it. Ce gradient bizarre tombe zéro. Allez, ce gradient c'est quoi la ligne là? En termes de P, alors c'est 5 plus P, divisé par 3, retirer P est égal à 0. So far, it's good for all of you. 3 retirer P qui peut faire là. 3 retirer P, il peut diviser. L'autre côté, ce d'accord, il vient multiplier. 3 retirer P peut diviser là-bas, il vient une fois. 0 fois 3 retirer P. Allez, côté gauche, moi, prenons 5 plus P moins. 0 fois 3 retirer P. C'est 0 même.
Et voilà, plus 5 qui peut venir là-bas. Il peut venir moins 5. Therefore, P is equal to negative 5. Ok, it's good for this one. Pas de difficulté pour ça. Mais par contre, nous avons notre deuxième méthode qui est plus logique par ici. Comme deuxième méthode, voilà. Since. Toujours. Since the line is horizontal. Le fait que la ligne là, l'end la ligne horizontale, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend dans la vidéo introduction? Quand end la ligne est horizontale, qu'est-ce qu'on apprend dans notre notes? Deuxième page. Alors, mon réel est pour autres. Alors, all points which lie on a horizontal line, allez dire dans notre même. All points which lie on a horizontal line, they will have the same, they are going to have the same y coordinate. Pas oublier vous autres. Tout bon point qui trouve l'eau en la ligne horizontale, they are going to have the same y-coordinate. So let us have a look at it. Le fait que la ligne là est horizontale, cela veut dire que all points on the line, cela veut dire que all points on the line, they need to have the same. Ça veut dire que tout bon point l'os à la ligne là, les bizarres ont the same y coordinate. Vous avez bien saisi les par ici là. Maintenant, qui bon point qui trouve l'eau la ligne là? C'est point A avec point B. Vous avez bien saisi. Il y a fait que moi je tiens un point A, B, C, D jusqu'à Z. Ça veut dire le fait qu'A, B, C, D jusqu'à Z les trouve l'eau la ligne horizontale. Veut dire que tous les bon y coordinate, les types bien est égal. Si point A, ce y coordinate dit moins 3, point B, si ce y coordinate bizet moins 3, jusqu'à point Z, ce y coordinate bizet moins 3. Les là qui nous gavent vraiment dire qu'il y a une ligne horizontale. Parce que pour une ligne horizontale, alors tout bon point, ce y coordinate dit bizet est égal. Mais la même chose par ici, le fait que A et B, le fait que A avec B, alors B trouve l'eau en la ligne horizontale, alors ce qui nous garde dire? Alors cela veut dire que y coordinate of the point A, mais les bizarres vont y coordinate of, les bizarres vont y coordinate of the point B, parce que comme on fait tomber d'accord, que l'eau en la ligne horizontale, all y coordinates are equal. Ça veut dire que y coordinate of A, les bizarres à la y coordinate of B, si c'est dans N point C aussi, les types égales à Y coordinate of C, and it goes on like this. Le fait que ici, nous n'avons que point A et B, et que la ligne là, il peut dire nous, les horizontales, veut dire que Y coordinate of A, ça veut dire que P plus 2, les bizarres vaut Y coordinate of B, ça veut dire les bizarres vaut moins 3. Alors, cela veut dire que, alors, P plus 2, les bizarres est égal à négatif 3, therefore, how much is P? Plus 2, vous venez moins 2 là-bas. Moins 3, moins 2, cela vous donne négatif 5. So as you can see over here, whichever method you go through, alors you need to end up with the same answer over here. Mais moi, vous advise, vous connaissez toutes les deux méthodes parce que vous connaissez pas juste faire de voilà qui est important. C'est the knowledge also is important. Maintenant, it's not a knowledge which is like going to bore you. This knowledge can definitely help you out in questions where you can't use the first method. There will be questions where you can't use first method, you have to use second method. And this second method, the fact that it contains different facts, alors voilà, makes it worth knowing it, parce que en même temps, il peut les autres à retenir, alors ben les autres parties, ben les autres notes, qui sont en a dans le topic là. Let us have a look at the part C. Comme part C, c'est maintenant, l'indiano comme ça que cette fois-ci, la ligne est horizontale. Elle est toujours comme first method. Elle est toujours comme first method. Dis-moi tout de même. Là, le fait que la ligne là, les verticales, allez, since the line is vertical, alors cela veut dire que its gradient is, allez, dis-moi tout de même, le fait que la ligne là, il y a la ligne verticale, cela veut dire que its gradient is what vous êtes. Cela veut dire que qui se n'apprend point de la ligne verticale, je dis n'apprend que son gradient, les
the undefined. So since the line is vertical, it means that its gradient is undefined. Alors, le fait que gradient là, les bisins tombent undefined, le gradient là qui s'était en termes de P. En termes de P, gradient là, c'est 5 plus P divisé par 3 retiré P. Ça, c'est gradient là. Et qui les bisins vaut gradient là? Les bisins vaut undefined. Pareil, comment ici, gradient là, c'est bisin 0. Veut dire que vos gradients en termes de P, qui est 5 plus P, le 3 retiré P, les bisins vaut 0. Pareillement ici, alors le fait qu'il y ait la ligne verticale, et comment on apprend la ligne verticale sur gradient est undefined, alors cela veut dire que mon gradient 5 plus P sur 3 retiré P est bien undefined. Alors c'est ici là qu'ils ont pu servir ça notre schéma dans le rouge là. Alors rappelle bien, en rouge mon nom, if A upon B is undefined, if A, si A sur B est undefined, cela veut dire que ce dénominateur B est égal à 0. Pour ceux qui parlent comprendre, immédiatement vous faites comprendre, pas de difficulté vous autres. Rappelez bien tout le temps, whenever you have a single fraction, écoute bien, whenever you have a single fraction which is undefined, how do you solve a single fraction which is undefined? Alors voilà, you have to commit this to your mind vous autres. Whenever you have to solve, tout le temps quand vous avez une single fraction which is undefined, how do you proceed forward? Alors, for you to solve a single fraction which is undefined, alors, ce qu'ils ont besoin de faire, vous prenez tout le temps le dénominateur. Tout le temps, c'est comme ça. You always equate the denominator to zero. So, for you to solve a single fraction being undefined, you just take that denominator, you equate to zero. It's always going to be like this. Therefore, what is value of P? Therefore, the value of P is equal to 3. Let us have a look at the second method now. Alors, toujours comme deuxième méthode, qui nous va dire? Alors, ce qu'ils ont dit d'apprendre? Allez, since. So, since the line is vertical, qui je dis apprendre? Je dis apprendre que tout va la ligne qui est verticale. So it implies all points on the line. So it implies that all points on the line, they are going to have the same. Allez, dis-moi, je dis même là que je dis apprendre. Quand la ligne est verticale, je dis apprendre dans vidéo introduction, page 2. Alors, page 2, vous trouvez qui comme quoi? Que tout bon point, alors, qui trouve l'eau en la ligne verticale, they are going to have the same x-coordinate. C'est très, très essentiel, ça va partie là. C'est très, très essentiel pour vous rappeler ça. Ça veut dire que tout bon point qui trouve l'eau en la ligne verticale, they are going to have the same x-coordinate. Alors, cela veut dire quoi? If they are going to have the same x-coordinate, le fait que point A et point B, le fait que point A et point B trouvent l'eau en la ligne verticale, cela veut dire que x-coordinate of the point A, les bizarres est égal à x-coordinate of point B, parce que moi, une fait que une récap dedans, que quand ban point les trouve l'eau en la ligne verticale. Whatever points lie on a vertical line, they will always have the x coordinate as common because their x coordinates are going to equal. Alors, le fait que A et B, les P trouvent l'eau en la ligne verticale, cela veut dire que mon point A sur x coordinate qui est 5 retiré P, les bizarres est égal à x coordinate de mon point B qui est 2 par ici. Cela veut dire que 5 retiré P, alors 5 retiré P, les bisins vaut x-coordinate of the point B. Alors cela vous donne 2 par ici, therefore P is equal to toujours 3 lettres. As you can see, we should end up with the same to same answer. Et comme troisième partie, voilà. Alors désolé, ça c'était B deuxième partie.
Maintenant, comme B, troisième partie, ça n'a l'air plus facile. Parce que ça n'a l'air d'indiquer nous clairement que alors has gradient négatif tout. Mais vous autres, si ce gradient bien négatif, de guet bien. Les pédiens nous cette fois-ci que ce gradient bien vaut négatif 2. Mais si ce gradient bien vaut négatif 2, allez, gradient là qui était là-bas. Gradient là, c'est 5 plus P divisé par 3 retiré P. Ça, c'est nous gradient. Les dit nous comme ça que gradient là, il vaut négatif 2. Alors, cela veut dire que 5 plus P divisé par 3 retiré P, qui est plutôt mon gradient en termes de P. Cela veut dire que mon gradient, qui est 5 plus P, le 3 retiré P, il vaut négatif 2. Là, voilà, il y a plein de questions au cours de géométrie là. Il y a une question formule à base solving equations. Allez, 5, 3 retiré P qui peut faire. Alors, 3 retiré P, il peut diviser. The 2 d'accord, 3 retiré P, il peut diviser. Alors, de l'autre côté qui est fini. De l'autre côté, il vient multiplier. Alors, cela veut dire que 5 plus P, allez, casse braquet, moins 2 fois 3, moins 6, moins 2 fois moins P, c'est positif 2P. Allez, nous mettons nous bande P du côté gauche. Alors, il vient P ici, plus 2P, pour venir moins 2P, est égal à moins 6, et plus 5, pour venir moins 5. Alors, P moins 2P, cela vous donne moins P. Moins 6 moins 5, c'est moins 11. Alors, therefore, P est égal à. Therefore, P est égal à 11 pour. Alors, pour B, troisième partie. So, as you can see over here, voilà. Alors, c'était pas quelque chose qui est énormément difficile. Zot juste besoin qu'on applique zot. And then it's fine for this one. Okay, it's good for this part, hein.